Bonjour Vidéo Grande Conso, toujours sur la côte est des États-Unis, aujourd'hui à Manhattan pour découvrir l'incontournable Amazon Go. Explication et démonstration. Regardez. Il y a aujourd'hui 23 Amazon Go en activité dans 4 villes américaines. Seattle, San Francisco, Chicago et donc ici à New York. En quelques mois à peine, Amazon a ouvert 8 boutiques Go dans différents quartiers de Manhattan. Ils ont tous comme point commun d'être de petits magasins de proximité et de dépannage, avec pour l'essentiel une offre de consommation ou d'utilisation immédiate. Sur les gondoles, des plats cuisinés, souvent à la marque maison Amazon Kitchen, des produits de snacking, des boissons, ou quelques produits d'hygiène et de petits bazars. En tout, de 600 à 900 références selon les magasins. Et à côté, parfois quelques tables et chaises pour une consommation sur place. Mais l'originalité d'Amazon Go est ailleurs, dans le parcours d'achat totalement autonome du client, sans étape d'encaissement. C'est ce qu'Amazon appelle le « Just Walk Out Shopping ». Première étape, télécharger l'application Amazon Go et lier le compte client, évidemment connecté, à un compte bancaire. Arrivé en magasin, le client s'identifie via son smartphone en scannant un QR code, ce qui, d'un point de vue technologique, relie un individu et son parcours d'achat. Car c'est bien là la spécificité d'Amazon Go. Le magasin est bourré de caméras et de capteurs pour tracer le moindre geste du client. Exactement comme le concept Jian24 à Shanghai, présenté il y a déjà plus de 2 ans. Résultat, à Shanghai comme ici à New York, chaque produit pris ou reposé est ajouté ou enlevé au compte du client en temps réel. De telle sorte que le passage en caisse est totalement inutile puisqu'Amazon sait parfaitement ce que le client a réellement emporté. Démonstration avec ce parcours d'achat. Je vais rentrer en scannant ce QR code. Toutes les caméras, tous les capteurs ont vu exactement ce que j'ai pris, en l'occurrence 3 produits. Simplement, je vais reposer l'un des produits et vous allez voir que je me serai facturé pour 2 produits. La sortie va s'effectuer sans passer par l'étape d'encaissement, de manière tout à fait fluide. C'est ce qu'Amazon appelle le « Just Walk Out Shopping ». Reste que si Amazon Go est un concept sans caisse, ce n'est pas un magasin sans personnel, ne serait-ce que pour assurer le réassort ou pour accompagner les clients dont certains découvrent à peine cette nouvelle façon de faire leurs courses.